Je vais me permettre de dire chers collègues, parce que j'aurais pu aussi être de l'autre côté ou de votre côté. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que je ne termine à Jeunesse et Sport de par un passé un peu africano-sportif ou sportivo-africain. Mais j'ai toujours une oreillette ou un ventricule qui bat quand même pour le monde sportif. Voilà. Donc j'ai basculé dans le monde universitaire et ce qui me caractérise actuellement, c'est que donc je n'enseigne que avec des ressources 3D, dont je vais vous dire quelques mots. Donc, il y a à la fois toute une ingénierie pédagogique qui s'est structurée autour, au départ, d'animation ou de vidéos 3D, et puis s'est greffée tranquillement, consécutivement à, disons, à une certaine forme de réussite de ce projet, né en 2005. S'est greffée, si vous voulez, une opération de communication, à la fois pour me permettre d'accroître mes financements, puisque c'est quand même un projet qui a coûté aux environs de 500 000 euros d'impôts des Français, et en même temps une opération de com pour notre université, qui accorde une assez grande importance au développement de ce projet. Alors au départ, tout de même, il faut le dire, puisqu'on est quand même là pour parler formation, parler étudiants. Le projet est né d'une observation que j'avais faite. En enseignant l'anatomie au Cameroun, après l'avoir enseigné en Algérie et après l'avoir étudié moi-même. Alors je m'étais rendu compte que mes Camerounais, mes étudiants camerounais, excusez-moi, c'est très affectueux quand je dis mes Camerounais, mes étudiants camerounais commettaient les mêmes erreurs que les étudiants algériens, c'est-à-dire sur les mêmes chapitres ou les mêmes paragraphes, les mêmes erreurs revenaient et sous la même forme. En Algérie, je m'en étais pas tellement inquiété. Parce que j'avais mis ça sur le compte de peut-être d'une maîtrise insuffisante de la langue française, l'arabisation étant à l'ordre du jour à l'époque où j'y étais. Et puis, en réfléchissant bien, je me suis rendu compte que ces erreurs-là, c'était celles, ou en tout cas ces difficultés, c'était celles que j'éprouvais lorsque, dans un lointain passé, j'étais au Crêpes à Dinard, en classe prépa. Donc j'ai fait le lien, j'ai dit, il doit y avoir des prérequis pour comprendre l'anatomie. Donc c'était le sujet de ma thèse. Et ma thèse avançait trois prérequis principaux. Une bonne structuration de l'espace. Ça peut paraître banal aujourd'hui. À l'époque, c'était relativement novateur. Une bonne capacité à réaliser des images mentales. Puisque finalement, quand vous racontez votre histoire en ostéologie, par exemple, vous devez construire une image mentale. Si je vous parle d'un verre de champagne ou de la forme de ce petit récipient, vous le voyez même en fermant les yeux. Et ben, logiquement, on doit voir un os, une articulation qui fonctionne, hein, ou un muscle qui se contracte, on doit pouvoir l'imaginer. Sinon, on n'a rien compris. Et donc, structuration de l'espace, imagerie mentale, et puis rotation mentale. C'est-à-dire qu'en anatomie, on est en train, en permanence, d'effectuer des rotations mentales. C'est-à-dire que si vous regardez en vue antérieure ou postérieure, comme on voudra, hein, ce récipient, bah, c'est un trapèze, mais si vous le regardez comme ceci, c'est un cercle, puis si vous le regardez comme ceci, c'est un cercle plus grand, avec un cercle plus petit qui apparaît. Puis alors, a fortiori, si vous le regardez obliquement, vous avez un ovale ici et un trapèze. Et là, donc, les rotations mentales, associées à l'imagerie mentale, sont quand même un prérequis essentiel, majeur pour comprendre une discipline scientifique, enfin de nombreuses disciplines scientifiques. On pourrait par exemple parler de la géologie de la même manière. Donc c'était le sujet de ma thèse, et puis bah, j'ai bricolé, j'ai tout fait. J'ai même utilisé des enveloppes de fromage Bombelles pour modeler des ménisques. C'est vrai qu'en Afrique, là, on a du mal à acheter de la pâte à modeler. J'ai fait faire des modèles en carton à mes étudiants pour qu'ils touchent, qu'ils voient, qu'ils palpent. Et puis un jour, j'ai vu mon fils faire de la 3D sur un logiciel. Et là, j'ai compris que c'était la solution. Puisque pendant très longtemps, il n'y en a pas ici, c'est bien dommage. Mais j'utilisais une poubelle pour faire comprendre le bassin, c'est quand même un chapitre important. C'est une poubelle très évasée. Il y en a une ici? Ah non, non, mais ça c'est. Non, non, ça c'est pas la poubelle. Poubelle qui d'ailleurs est sur le scénario du bassin. Voilà, donc j'avais une belle poubelle.
Avec toujours, et je me suis toujours demandé pourquoi, dans les premiers rangs, une étudiante qui avait un cutter. Et donc, je découpais, avec mes deux promos de 200 étudiants STAPS, je découpais une poubelle, donc le bassin est une bassine, vous découpiez l'avant, vous faisiez palper la crête iliaque, la symphyse pubienne, etc. Vous découpiez le fond, vous découpez l'arrière, et quand vous avez une vraie poubelle, pas une poubelle en solde à casino, comme il y en a ici, non, une vraie une belle poubelle, vous êtes face à un bassin. Là, vous avez de l'imagerie mentale possible, et même des rotations mentales faciles, et une bonne structuration de l'espace, d'autant plus qu'on peut se palper. N'oubliez jamais ça, l'anatomie est une science extraordinaire, on se palpe et on réussit à ses contrôles. Donc ça aussi, c'est un élément en faveur de cette magnifique discipline. Et donc, bref, vous voyez tout de même pas quand même qu'en STAPS, c'est peut-être avec vos étudiants, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Donc il faut quand même faire vivre l'anatomie, et la palpation est quand même une manière de vivre. Donc, disais-je, ces trois prérequis, ben, la technologie 3D, ça fonctionne. Structuration de l'espace, ben, il suffit d'avoir une figurine dans un coin qui se substitue aux trois axes mortifères hein, de tous les bouquins d'anat. Encore, il n'y en a même plus maintenant. L'orientation dans l'espace, donc, et l'imagerie mentale, ben, vous pouvez, c'est une vidéo d'ailleurs qui fait un carton, vous pouvez commencer par une poubelle, bon, vous l'appelez une bassine, parce que sur YouTube, ça fait des ordres. Et bah, vous la découpez, et puis vous la transformez progressivement en un os réel. Et c'est là où finalement la 3D, l'anatomie en 3D, c'est un peu de l'anatomie en libre-service. Vous pouvez vous arrêter à la comparaison avec une poubelle, mais vous aussi, vous pouvez vous arrêter à l'os réel, tout ça sur la même vidéo. Et par conséquent, peut se développer également ce que j'appelle, moi, un discours graphique, qui peut se substituer aux mots. Et dans un premier temps, ben vous parlez avec des images. Et donc, ça donne finalement un discours universel, de telle sorte que ces ressources qu'on a mises en 3D, qu'on a mises en accès libre, pardon, ça c'est un autre sujet, accès libre ou pas, finalement conviennent mieux que Tintin encore, de 7 à 77 ans et même plus. Et par exemple, les étudiants en médecine, à ma grande surprise, puisqu'au départ c'était des financements STAPS, donc je faisais des vidéos assez schématiques, hein, conviennent à des étudiants en médecine, conviennent à des enfants très jeunes, puisque des ergothérapeutes ou des spécialistes de la méthode Feldenkrais m'ont raconté qu'ils travaillaient avec de très jeunes enfants, et bien évidemment avec des seniors. Bref, et tout le monde comprend. Chacun, comment dirais-je, s'intéressant aux détails qui le concernent et laissant de côté le détail qui tue, le détail du médecin, enfin du médecin, non, ils ne connaissent pas grand-chose en anatomie, disons le détail du spécialiste. Voilà. Donc le projet est né en 2004, où j'ai été accueilli donc, dans le fameux service d'ICAP à Lyon 1, après avoir répondu favorablement pardon, après avoir répondu non, tenté de répondre à l'appel d'offres d'ICAP de l'époque. Et puis je suis arrivé à la deuxième ou deuxième clic qu'il fallait réaliser, j'ai pas pu. Et j'ai dit, je laisse tomber, de toute façon, je gagnerai rien à cette loterie. Et une heure après, un grand escogriffe est rentré dans mon bureau, sans frapper, en me tutoyant. Il s'appelait Christophe Battier. Et la suite, bah, vous la connaissez, il m'a dit, il a pris une chaise, il m'a dit, raconte-moi ton histoire, tu veux faire de la 3D. Une heure après que j'ai abandonné. Bref, je lui ai raconté mon histoire et il m'a dit, le 22 janvier, il y aura une réunion, je te promets que tu auras ton infographiste. Il s'est trompé d'un seul jour. Donc, l'histoire a commencé comme cela, avec des animations 3D, d'abord le recrutement, et ça c'est important, le recrutement d'un excellent infographiste, et donc avec tout ce qui ensuite, tout ce qui suit. Faut-il faire des ressources parfaites, esthétiques, la charte graphique, la scénarisation, etc. Donc là, on est tombé sur la perle rare tout de suite, et on a mis nos vidéos sur Spiral. Puis à un certain moment, eh bien, les serveurs sont devenus poussifs, et l'inénarrable Christophe m'a dit, t'as qu'à mettre tes vidéos sur YouTube.
Ah bon, 8 chefs. J'ai donc mis mes vidéos sur YouTube. Et puis, entre-temps, ben, pour les exploiter, on a créé un site. Donc, c'est ce site qui n'est pas jaune, mais bon, il est à couleur du pastis, sa console, ou du vin blanc qu'a bu d'ailleurs le directeur à midi, ça j'ai bien repéré. Et donc, c'est un site dont, qui a plutôt un motif ou une justification politique. Puisque, je vais vous le montrer rapidement, les vidéos sont en accès libre sur YouTube, et en fait, l'accès libre, appareil locomoteur, vous voyez, si vous regardez, mettons le rachis, toutes les vidéos, par un simple clic, vous renvoient sur la chaîne YouTube. Alors, ce qui caractérise notre projet ou notre programme aujourd'hui, c'est qu'on a 99%, sinon 100%, de vidéos d'animation 3D, faudrait-il dire, qui permettent de traiter un programme complet de l'appareil locomoteur à des étudiants en kiné, ergothérapie, psychomotricité, STAPS, sachant que les étudiants en médecine les utilisent également, en particulier dans le cadre du tutorat. Donc tout ça pour dire que toutes nos vidéos, enfin en fait toutes nos productions, toutes les productions d'ICAP, j'aurais peut-être dû commencer par dire que c'était quand même un travail d'équipe que ce projet, auquel bien évidemment est associé très étroitement notre ami et collègue Chacha. Hein? Ben si Chacha, souviens-toi au début, j'étais toujours sur ton dos à te demander des trucs, maintenant un peu moins souvent, tu n'es plus dans le même bureau. Hein? Donc, ce site est devenu politique, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, via la page Facebook, puisqu'on a créé une page Facebook relayée par Twitter, que il y avait des politiques qui s'intéressaient à ce que je faisais. Un jour, j'ai ouvert les profils de ceux qui demandaient à être nos amis, et je me suis rendu compte que j'étais le conseiller du Premier ministre pour le numérique. Ah. Et puis dans la même liste, j'avais le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui était de Meurthe-et-Moselle, qui devait faire un plan ou un bilan, ou je ne sais quoi, sur le numérique. Donc j'ai dit, il faudrait peut-être qu'on fasse les deux en même temps, s'ils s'intéressent à ce que nous produisons. Donc, comme je le disais, ce projet s'est doublé d'un plan com, avec aussi l'aide appuyée du service de la direction de la communication de notre université, qui a quand même pris conscience, comme d'autres, qu'on pouvait communiquer aussi sur la production de ressources et sur la qualité de ces ressources. Donc, ce site, je reviens au début, a pour objectif de faire le point sur le projet. Vous voyez, nos objectifs, une ingénierie pédagogique basée sur la 3D, les évaluations des enseignements, sur lesquels on joue beaucoup et on pourra en reparler, une recherche en didactique de l'anatomie, etc., etc. On présente le service ICAP, tous les projets, les auteurs, les collaborateurs, etc., etc. Donc on présente le projet, qui est maintenant un programme sous toutes ses formes, y compris les financements, avec un peu de provoque, puisque nos financements sont développés, enfin sont expliqués au centime près. Ouais. Donc on présente évidemment toutes nos ressources. On a un programme organe pelvien qui s'est développé avec le CHRU et la Fac de médecine de Lille. Bon, peu importe les raisons. C'est un projet organe pelvien et accouchement. Alors, je suis loin de l'obstétrique. En revanche, c'était l'occasion pour moi de créer des vidéos relatives au plancher pelvien et au périnée. Et je suis dans un creps. Vous savez sans doute que 70%, maximum, suivant les estimations, mais au moins 50% des sportifs de haut niveau sont incontinentes urinaires. Ouais. Et j'en parlais encore hier avec une kiné spécialiste de gym périnéal. 70% est le chiffre qui est couramment admis dans le monde des praticiens. Alors ceux qui ont un petit peu peur du chiffre, ben, vont vous dire 50%. Donc, bien évidemment, l'accouchement est aussi source de drame. Mais, en tout état de cause, ce plancher pelvien et ce périnée est longtemps resté un sujet tabou, même d'ailleurs dans les plus hautes sphères de la biomécanique, puisque Kapanji,
attendu son édition de 2008 pour parler de la manœuvre de Vassalva et du tronc-caisson, mais sans dire un seul mot sur le plancher pelvien et le périnée. Donc ça a été pour moi l'occasion de lancer un projet organe pelvien, qui évidemment rencontre un assez grand succès sur YouTube, même si de temps en temps les mots-clés peuvent nous jouer des tours, puisque nous sommes interdits de séjour sur Dailymotion. J'avais tapé vagin et utérus, vous vous rendez compte, la honte. Donc Gottlieb m'aurait traité de pépère pervers, mais bon. Et donc, on a ce programme accouchement, avec pour cette année la réalisation d'une vidéo sur le rôle des muscles du périnée et du plancher pelvien. Et là, ça va être vraiment un beau projet. Alors, la mission égalité de notre université maintenant s'y intéresse, avec des réalisations en impression 3D, enfin, etc. Bon, bref. Donc, on a un programme qui se développe de manière, on va dire, parallèle. Hein. On a ici la neuroanatomie avec des vidéos qui ont beaucoup de succès. Hein, le réflexe myotatique, quand même, on aurait du mal à vivre sans, qui cartonne bien sur YouTube. Donc là encore, toutes ces vidéos sont renvoyées vers YouTube. On en a 260. On a 160 vidéos qui sont des animations 3D, et puis d'autres qui sont sonorisées ou réutilisées. On pourra éventuellement en parler. Et l'objectif était de dire, l'anatomie 3D, c'est pas le truc de l'Université de Lyon 1, c'est pas le truc d'ICAP, c'est pas le truc de Thirier, c'est pas le truc de l'anatomie. On peut s'en servir dans de très nombreuses disciplines. Alors, premier exemple, l'aéronautique. Mais ils ont leur logiciel, ils ont CATIA. Mais la mécanique, tout simplement. Hein. Maintenant, on le voit, mais quand on a commencé le projet en 2004, c'était pas évident. Il y a la chimie, et puis il y a la géologie. Et la géologie, Chacha n'était pas avec nous, mais on a quand même accueilli une délégation du MIT, une innovation du MIT. Vous n'étiez pas venu avec nous, avec le père Battier, qui lançait des tweets à 2h du matin dans la même chambre. Enfin, Chacha. Hein? Il y avait privé des chimies. Eh oui, on nous l'a reproché. Donc, on a été invité 3 semaines après à faire une conf au MIT, à Boston, alors que je ne parle pas tellement l'anglais. Et puis donc, il y a un monsieur, qui un grand patron, qui s'est avancé vers moi, qui m'a dit en français, qui m'a dit, voilà, je m'appelle Einstein, sympa, Herbert, ah, loupé de peu. Je suis chef du département du MIT, donc le principal département. Je voudrais éviter que mes étudiants dorment pendant certains cours. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et c'est ce qu'on a fait, le ministère de l'Éducation nationale nous a royalement donné 20 000 euros et on a lancé un projet qui actuellement est repris par le MIT, bien sûr, et l'École normale supérieure de Lyon. Bref, donc tout ça pour dire quand même que la 3D a de l'avenir dans de nombreuses disciplines, peut-être même en sport. Je pense quand même que ça peut être utilisable. Ensuite, eh bien, du coup, bon, on a sonorisé nos vidéos, ça peut paraître évident. Là, on n'a pas encore des vidéos sur RapidMook, mais j'en ai fait au Mali. Une réutilisation de ces vidéos. Les cours écrits sont en ligne, où je commence. On en reparlera tout à l'heure en parlant d'ingénierie pédagogique. Donc vous avez compris qu'on militait pour les ressources éducatives libres, ce qui peut être un argument, ou au contraire, quand on parle de modèle économique, on peut faire peur. Mais il y a un peu de provoque aussi. Et puis, grâce à l'inénarrable Battier, que nous citions tout à l'heure, et à certaines de ses collègues, et certains de ses collègues, eh bien, il y a eu une veille technologique et on s'est essayé à d'autres applications de la 3D, en particulier les applications 3D temps réel, qui sont extraordinaires, c'est un outil fantastique. L'impression 3D. Alors l'impression 3D, par exemple, pour faire des modèles d'articulation, ou bien des modèles de vertèbres, ou bien... Non, ça, je suis sur les... Voilà. Donc l'impression 3D de vertèbres, ou de modèle, voilà un modèle mécanique, avec un disque intervertébral en matériaux mous, et deux vertèbres types empilées pour montrer le rôle des processus articulaires
dans les mouvements de la colonne vertébrale et le rôle du disque intervertébral. Et puis, comme le sujet nous a passionnés, eh bien, on s'est intéressé aux organes génitaux internes de la femme, tout simplement parce qu'on était financé par des gynéco-obstétriciens. Et donc, on a réalisé les organes génitaux internes en matériaux mous, bien évidemment, puisqu'un utérus dur comme une table, c'est quand même pas un utérus. En se disant aussi en arrière-pensée qu'il y avait quand même un sacré chapitre à faire en éducation à la sexualité avec la technologie 3D qui, bien évidemment, vous démystifie l'anatomie, mais qui aussi peut aussi vous démystifier l'éducation à la sexualité. Et dans le domaine de la jeunesse, je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire. Et actuellement, c'est peut-être encore un effet indirect ou direct de MeToo, mais on est contacté par différentes institutions, et en particulier par la mission égalité de l'université, qui rêve d'imprimer en 3D le clitoris pour pouvoir expliquer tout cela dans le cadre d'actions de prévention. Mais on fera mieux. On va se contenter de ce simple organe, à y être, autant faire tous les organes pelviens, féminins et bien sûr masculins un jour, quand on aura le financement, y compris donc en impression 3D, mais aussi en animation 3D. Voilà. Le service s'essaye à la réalité virtuelle, 5 minutes. Bon. Le service s'essaye à la réalité virtuelle, donc là je suis en train de faire la pub du service, plus que l'ingénierie pédagogique, donc j'y viens. Et donc la réalité virtuelle aussi a sans doute de beaux jours devant elle, dans l'université. Bon. Donc, tout à l'heure, vous abordiez la question, les nouvelles technologies, la formation à distance, est-ce que ça vide les amphithéâtres? Est-ce que finalement, le bon vieux cours magistral n'est-il pas... finalement à regretter. Bon, quand je faisais des cours magistraux et que j'étais un peu près en forme, j'avais toujours 99% de mes étudiants, j'avais pas de problème. Il fallait que mon numéro soit au point, et pourtant on était un vendredi à 14h, donc les étudiants commençaient à penser au week-end. Mais ça marche, ça les intéresse l'anatomie, puisqu'on leur parle d'eux, on parle de leur corps. Et comment dirais-je ? Je leur donnais, et je leur donne encore maintenant aux étudiants, un cours écrit totalement rédigé, en Word, pour qu'ils puissent le modifier. Les vidéos sont en accès libre. Et maintenant, ils ont des QCM en accès libre. Donc normalement, ils ne devraient pas venir en cours. C'est bizarre, mais ils viennent quasiment tous. Donc un, le multimédia, les nouvelles technologies, les nouvelles ingénieries pédagogiques ne vident pas les amphithéâtres, pas plus qu'un cours magistral, à peu près bien construit, ou en tout cas animé, finalement. On passe de l'animation humaine, c'est le prof, à de l'animation 3D. Il n'y a pas tellement de changements. Hein. Quand on a envie de convaincre nos petites têtes blondes. Et donc, cette image pour vous montrer que même avec des psychomotriciennes, on peut arriver à... comment dirais-je, motiver les étudiants. Alors j'en viens rapidement à la formation à distance, puisqu'il ne me reste plus que 3 minutes 12. On essaye pour la première fois, au bout de 4 ans, mais pour la première fois, une formation à distance avec des étudiants en kinésithérapie, première année, anatomie, donc discipline fondamentale, une formation à distance validée par des crédits ECTS. Ça, en France, ça doit être rare. Donc, pardon. Les crédits ECTS, c'est des crédits qui valident dans le système LMD une licence, un master. Donc, à une formation donnée, par exemple celle-là, vous avez 6 crédits ECTS, sachant qu'il vous faut 300 crédits ECTS pour faire une licence. Non, 180 et 300 pour le master. Donc, cette reconnaissance universitaire montre bien que tout l'intérêt que peut présenter un tel projet. Donc les vidéos sont bien évidemment à la base, quoique, depuis quelques jours même, j'ai changé d'organisation.
La base, en fait, c'est le QCM. Alors là, il y a une QCM, un QCM sur quoi? La radio ulnaire inférieure. Allons-y. Le QCM est original. Voilà. C'est. Bon, là, c'est une modélisation de l'articulation radio-ulnaire. Je découpe mes vidéos en séquences de 15 secondes à 50 secondes. Et le QCM porte non pas sur une question plus ou moins motivante pour l'étudiant, il doit observer cette séquence vidéo. J'ai dû me déconnecter ou quoi là? Ça marche pas. Ah, là voilà. Vous voyez? Voilà une modélisation de l'articulation donc de la radio ulnaire inférieure qui montre un mouvement de pronosupination. La vidéo où la séquence dure 15 secondes. Vous voyez, on passe de la modélisation à la réalité. Et les questions vont porter sur cette séquence. Vous pouvez y rajouter, je le fais de plus en plus. Des questions, j'ai bien observé que. Et ainsi, définir un véritable parcours pédagogique. Alors ça, c'est pas simple. Là, je fais encore mes premiers pas dans le domaine. Celle-là est assez longue. Bon, ben, j'ai dit 50 secondes. Ah non, c'est la même qui tourne en boucle. Donc, maintenant, je base, je commence chaque cours par la réponse. Pardon, par l'observation des séquences vidéo, par la réponse aux questions, et regarder l'animation 3D. Ensuite seulement, l'étudiant télécharge le cours en Word ou bien en PDF. J'ai ainsi donc, je ne sais plus combien, 600, 700, 800 pages de cours. Vous voyez, il est en PDF. Et tout simplement parce que les week-ends, on a pu constater que quand ils partaient chez papy-mamie, le Wi-Fi n'était pas toujours très bon. Et en Word, pour que justement, ils puissent compléter, surtout les kinés, leur cours avec les apports d'autres enseignants. Vidéos bientôt qui seront toutes commentées. Pour certains cours, des applications 3D dans réel, pas le temps d'en montrer, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Comme d'un point de vue pédagogique. Et puis donc, contrôle continu ou contrôle terminal en présentiel. Ce type de formation sera appelé à être mis en accès libre, totalement, comme tout le reste de nos productions. Voilà.